Mesdames, Messieurs les ministres, honorables sénateurs et députés, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, Monsieur le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile d'Haïti, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers amis de la presse, bonjour. Notre pays, Haïti, a un premier ministre nommé. Maître Jean-Henri Séan. Suite à de nombreuses rencontres réalisées avec les représentants de divers secteurs de la nation, dans un contexte socio-politique particulier, marqué par la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, après avoir consulté les présidents des deux branches du Parlement haïtien, conformément aux prescrits de la Constitution, le président Jovenel Moïse a fait choix de mettre Jean-Henri Séan comme premier ministre d'Haïti. En effet, le président Jovenel Moïse a reconnu en maître Jean-Henri Séan les qualités et compétences indispensables pour mener à bien sa vision de développement de notre cher Haïti. Mesdames, Messieurs, chers invités, merci d'avoir accepté de prendre part à la cérémonie de présentation officielle à la nation du Premier ministre nommé Maître Jean-Henri Séan. Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'arrêté président Fraternité, République d'Haïti. Arrêté Jovenel Moïse, président. Vu les articles 133, 136, 137, 155, 157, 159, 160 et 163 de la Constitution, vu la démission du gouvernement, considérant qu'il y a lieu de nommer le Premier ministre, arrête. Article 1er. Le citoyen Jean-Henri Séan est nommé Premier ministre. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 5 août 2018, an 215e de l'indépendance, par Jovenel Moïse, le président. Nous invitons maintenant le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à remettre l'ampliation au Premier ministre nommé. Nous demandons à l'assistance de bien vouloir s'asseoir et nous demandons patience, patience aux journalistes. La cérémonie va bien se dérouler avec la collaboration de tous. Merci. Merci. Diriger une nation, c'est aussi et très souvent même faire face à des situations difficiles qui requièrent sagesse, dialogue et une grande conscience des responsabilités. Le président Jovenel Moïse a certainement dû faire appel plus que jamais à ses qualités précises,
ces derniers jours. Nous vous invitons à vous mettre debout et à applaudir le président Jovenel Moïse pour ses propos de circonstance. Démissionnaire Jacques de La Fontaine, Monsieur le Premier ministre nommé, Maître Jean Rizéen, Madame Chantal Zéen, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, membres des bureaux de la Chambre des députés et du Sénat de la République, Messieurs les présidents des blocs politiques de la Chambre des députés et du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement démissionnaire, Mesdames, Messieurs de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les maires de la zone métropolitaine, Monsieur le commandant chef AI des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les représentants du secteur religieux, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien, mes chers compatriotes, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique politique rythmant la vie des peuples qui font heureusement le choix de la démocratie comme mode de gouvernement. J'ai été élu sur la base d'un programme politique, certes ambitieux, mais absolument nécessaire pour redresser le pays et le mettre définitivement sur la voie du progrès et de la prospérité. Au cours de mes 18 mois de présidence, j'ai pu mesurer l'étendue des besoins immédiats qui ne peuvent pas attendre les résultats des actions structurelles conduites par le gouvernement démissionnaire dirigé par le docteur Jacques de La Fontaine. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier ainsi que l'ensemble des membres de son gouvernement de s'être mis au service de la nation. Il est aujourd'hui venu le temps d'opérer de profonds changements gouvernementaux afin de soulager la misère au sein de la population, poursuivre les politiques publiques en cours en matière d'infrastructures routières, agricoles et électriques, maintenir le dialogue avec tous les secteurs de la nation, garantir la paix sociale et la stabilité politique. Pour ce faire, j'ai fait choix du citoyen Jean Rizéen comme Premier ministre. Monsieur Séan est un notaire de profession, leader politique, connu pour son humanisme et son esprit du dialogue. Il a été à deux reprises candidat à la présidence. Comme vous le savez, Monsieur Séan et moi ne faisons pas partie de la même famille politique. Nous avons eu de fortes divergences lors des élections de 2015. Ces élections qui ont été contestées par un groupe de candidats. Cependant, nous avons en commun l'amour d'Haïti, la croyance, la conviction ferme que toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens, d'où qu'ils viennent, doivent s'unir pour construire ce pays.
Nos amis étrangers peuvent nous aider. Nous avons besoin de leur soutien. Mais la tâche historique de construire Haïti nous revient à toutes et à nous tous. C'est dans cet esprit que, par arrêté pris le 5 août 2018, j'ai nommé M. Jean Rissé Premier ministre. Monsieur le Premier ministre nommé, j'ai décidé de votre nomination à un moment crucial de notre vie de peuple. Je vous remercie de vous mettre à la disposition de la nation. Les problèmes sociaux et économiques auxquels vous devez vous atteler sont immenses. Pour y faire face, il faut une gouvernance inclusive. Le peuple attend beaucoup de nous. Dans un contexte de raréfaction des ressources, pas rien l'argent, nous tous comme ça. Fais pas ici. Frem accepte. Moi choisis mettre Séan pour Premier ministre parce que moi crois c'est tout haïtien, quelle que soit conviction politique, qui doit mettre tête ensemble pour développer le pays. Premier ministre nommé, travail m'a demandé, c'est pour faire tout ce qui est possible pour rebâtir les citoyens confiance dans l'État. C'est pour combattre le gaspillage, réduire les dépenses dans l'État. Chaque 5 cobs qui dépensent, c'est peuple-là pour la joindre. C'est ça que je te promets et c'est ça qui doit faire. C'est pour le gouvernement, pour le former, les fins de bénédiction au Parlement, mettez en application arrêté qui pour baisser les dépenses dans l'État. Je voulais parler de arrêter sous train de vie de l'État que moi te prends avec l'ancien gouvernement le 29 mars 2017 qui gagne 64 articles qui peut-être il y a 4 articles seulement qui commencent à appliquer la responsabilité en pile qui est 60 articles qui vont appliquer pour que le gaspillage qui vient dans l'État là qu'a joindre. J'en connais un slogan pao dans le parti politique pao, c'est nous toute la donne. Je vous dis à fort peuple à la donne. C'est pour la poursuivre stratégie caravane changement. Caravane non, c'est une manière qui pour faire administration l'État travaille plus bien. Caravane n'a pas un programme. Caravane n'a pas un budget. Caravane, c'est un groupe garçons et femmes qui prend pouvoir dans mes peuples haïtiens. Et moi-même, premier mandat international, nous prenons décision, nous mettons stratégie ça sous pied qui pour permettre aujourd'hui, pas gagner yon côté dans quatre coins pays d'Haïti, pas gagner un kilomètre route cap construit. Sans l'argent. Parce que beaucoup gagnent l'argent. Nous avons un gros travail qui commence à faire un gros travail barrage, irrigation, Marion. Dernière fois, de construction, un réservoir qui fait sur une rivière, il date de 1930 sous l'occupation américaine. Parce que en 1948, barrage Canoa. C'est pas ton barrage, c'est pas ton réservoir que tu fais sous une rivière, mais c'est ton barrage que le président estime te fait, qui te permet, fleuve à Thibonite, poser 50 000 hectares dans la vallée de la Thibonite. Mais réservoir sous rivière, c'est un travail qui est difficile en pile. Et après peut-être 88 l'année, un groupe
femmes et garçons prennent pouvoir dans mes peuples haïtiens, ils ont décidé de commencer à construire le premier barrage à réservoir après 88 ans. Wall Power, premier ministre, nommé. C'est continuer le travail pour que le travail, infrastructure agricole, infrastructure routière, avec l'électrique qui a fait à travers tout le pays, qui a continué à faire dans tout le pays, Jean, pour parler de courir stratégie, ça, je voulais parler de stratégie caravane changement. Boussole nouveau gouvernement, c'est 7 axes prioritaires administration moyen qui est défini. Moi, je connais tous les amis dans la communauté internationale là, qui sont là avec nous. Ils ont informé, ils ont des axes prioritaires qui traduit dans la langue bayou. Ils connaissent 7 axes prioritaires que nous définissons qui pour permettre coopération entre eux-mêmes et pays d'Haïti est plus efficace et plus efficient. Mais à côté de tout ça, gros moment Pemba, gros affaires, gros qu'aucun chien de responsabilité pour gagner un premier ministre nommé. Nous n'avons pas deviné les alliés. Mais songez, je me suis fait campagne, je me suis dit, la stabilité politique est le premier des biens publics. Je dis, on n'a pas de stabilité politique sans un pays qui gagne alternance politique. Alternance politique, son seul genre le café. On seul côté le café, c'est dans l'élection. On moun qui besoin prend pouvoir dans le pays d'Haïti, je dis, on seul côté qu'on a prend pouvoir, c'est dans l'élection. Gros maman Pemba, Chaïlou, premier ministre, m'a demandé au Balboté, c'est l'élection 2019. Yo. Au top 2019, fuck l'élection à venir. Et c'est responsabilité, le Parlement, s'il t'a décidé de bail politique général ou un vote de confiance, c'est Chaïsa qu'on va bien Balboté pour l'élection. Octobre 2019, yo, vino réalité. Premier ministre, nommé. Même ando pressé, pressé. Depuis ou fin tando sorti dans le Parlement, parce que me connais, ça qui arrive qu'on passe nuit à jour dans le Parlement. Mais, pressé, pressé. Depuis ou sorti dans le Parlement, parlementaire, ça veut dire, pouvoir législatif là. D'abord, auquel dans affaire déclaration politique, énoncé politique générale. Gros travail ou pas pour faire presser, presser, c'est pour soulager misère, tranche population qui vit mal là. Moun kap vive dans zone défavorisée. Nous connaissons un pile mauvais non. Mais moi-même, m'a dit nous, je suis songé de président de la Chambre de commerce, de nos réunions en 2008, un candidat à la présidence qui est en campagne, non, 2009, tu es venu dans le nord-ouest, je suis posé une question, je me dis, qui programme ou rien pour quartier défavorisé dans votre point sur surtout côté qui vient, le monde qui a fait des autres. Maintenant, mais nos candidats, mais nous disons, c'est réprimé pour nous réprimer. Nous disons, non, ce n'est pas réprimé pour nous réprimer. Ce sont nos diables. C'est nous créer. C'est nous-mêmes qui créons ce système nous créer. Je dis, c'est pour nous travailler, pour nous intégrer, pour nous retirer dans cette situation. Ça, c'est lui ou pas les gens. Pour nous connaître, quartier populaire, c'est frère nous, action nous qui vivons dans nous. Frère nous action nous à l'école dans pile nan yo qui connaît li bien à qui crie bien dans pile nan yo qui a gros capacité mais yo marginalisé demandé pour que pour voir ça
pral nan men apre parlement fin d'abord vote de confiance li. Moun sa yo pou pral oblige travay très 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 proche ak lider sa yo ki pou permet ke projet sosyo yo yo atterri tout bon vrai pou soulaje tout les maman petite, changer condition moun sa yo. Sans m'bablier moun k ap fè métier ingrat. Mwen vle parler de policiers, professeurs l'école. Ka pile chay ki pral sou do parce que moun sa yo y a un gros changement qui pour faire dans condition y a vivre. J'en te promets pendant campagne moi te dit que faut gien des logements qui construit pour policiers et professeurs l'école. Un terrain qui gien tant déclaré d'utilité publique que gouvernement démissionnaire là l'était fait déjà. Et m'a demandé au premier ministre nommé si ou joine vote parlement avec déclaration politique générale ou la transmission de dossier faut à travail mais dans la main à premier ministre démissionnaire là pour voir tout dossier qu'elle t'a commencé qui supposé finir pour capable gagner dossier ça pour ne pas obliger à recommencer toute bagaille net. PM nommé moi mando devant toute nation pour travailler sous condition pour l'État rentrer plus moyens pour le cas financer le travail que le gars va le faire. Nous tendons pile parole par pour acheter gaz pour voyer dans la direction départementale. Parce que là nous gardons des chiffres. Longtemps, en direction départementale, l'État est qu'on voulait parler de direction départementale travaux publics. L'État est qu'on balit moins que 100 000 gouttes de frais pour l'acheter carburant chaque mois. Je dis à la direction départementale, il faut passer 3 millions de gouttes de gaz chaque mois. Et il faut me dire, le premier ministre nommé, il a pile fort qui était fait. Même le sapat marché, je ne souhaitais. Je n'ai pas demandé, premièrement, pour continuer à l'effort, mais pour travailler, pour que la douane avec DGI vienne plus performant, parce que ce n'est pas possible en pays pour frontières quand on n'est pas soi. Ça veut dire pour laguer frontières là, par contrebandier, pour faire ça, vous voulez. Renforcement l'État, directeur général de la police là qui l'a. Moi, je crois que le travail qui a fait, et je remercie les partenaires internationaux qui aident nous dans le renforcement de la police. Je travaille avec 100 grands policiers et je connais il y a des policiers qui peuvent sortir plus que 200 policiers pour faire travail surveillance frontière. PM nommé travail là avec la police parce que c'est où pour la tête CSPN. Là. Son gros travail lié pour permettre que frontière là nous river mettez l'ordre dans des ordres moun qui dans affaire contrebande dans pays a quel que soit niveau quel que soit classe soit vivre là-dedans quel que soit couleur au gagne dans société a faut la justice la police qui a arrêté ou, la justice met menot dans main on pense ça c'est wol pao pour que la loi, comme nous toujours dit, qui boussole nous, les carités boussole. Dans le moment ça, m'a dit tout gros dossier qui a mis suspicion sous nos pays. Tant que dossier Petro-Caribé, m'a demandé pressé, pressé, depuis Parlement fin bon vote. Sous politique générale, pour la justice, qu'a éclairé lumière sur tout dossier ça. Et pour éclairer lumière sur eux, faut que la Cour supérieure des comptes fait travail. Parce que c'est pour nous clair, pour nous bailler institution, droit pour le travail.
possibilité pour le travail. Parce que les grands dossiers nous précipitent. Nous voulons faire persécution politique dans les vignes dangereux. Et pourtant, c'est un dossier qui est important. L'argent n'a pas qu'à dépenser dans le pays. Pour le peuple a besoin qu'on commande pour l'argent dépenser. Et puis, il y a des gens qui piquent devant. Il faut nous freiner. Pour nous connaître que le dossier a. Pour nous prendre, jeune doit prendre. Parce que les gens qui peuvent payer pour innocents pas venir payer pour coupables. Pour les gens qui mangent quoi, ce n'est pas eux-mêmes qui ont le bail. La vie. Nous-mêmes nous disons, nous pour lumière faite sous sac passé pendant 10 dernières années dans l'argent qu'a dépensé dans le pays. Surfacturation, concussion, trafic d'influence, trafic d'intérêt, conflit d'intérêt. Moi, pareil. Mais pour le fait, le pape fait la persécution politique, premier ministre nommé, le pape fait la chasse aux sorcières, il a fait la sérénité, il a fait. Non, Jean la loi m'a demandé pour le faire. Ce n'est pas ni moi, ni vous, ni un autre politicien qui a demandé qui Jean pour le faire. C'est la loi qui va demander qui Jean pour le faire. Parce que son pays, côté chaque jour, un jour matin, on monde levé, il dit bon, regardez, tel monde va mal détruire. Parce que pourquoi il y a une loi pour ça, qui pour protéger le monde dans le pays. Et je parlementaire qui l'a aujourd'hui, c'est Wolpa. Pour nous capables de protéger le caractère de dans le pays d'Haïti. Il faut une loi pour ça. On ne peut pas décider quand on joue matin. Et puis, il taille un wop mettre sur un monde et puis il faut bien et puis sortir de l'aile pour toi aller. Ça, c'est pas un temps en temps. Qu'on y a, faut moun capable de respecter le droit de l'autre monde. Assassiner le caractère de l'autre sont crimes. Ça veut dire, faut nous capables de travailler. Entreprise, monter usine et faire projet dans le pays a, pour petit peuple qui a joué le travail. Et ça, la permettre l'État à jouer une taxe pour bâtir l'école et l'hôpital dans tout le pays. Dans ce sens, ça, je rencontre le secteur privé avec plusieurs associations qui sont dans le secteur informel là. Pour avec eux, comment l'État a accompagné eux pour renforcer eux. Pour yon ka créer plus de jobs dans le pays. Dans l'idée ça, je voulais pour le gouvernement signer un pacte pour l'emploi et la croissance économique inclusive avec le secteur privé. Yon façon pour yon voir qui ça yon ka fait ensemble pour créer plus de jobs dans tous les côtés dans le pays. Frère Maxime, nous connaissons depuis plus de 10 ans. Question salaire minimum, là, c'est un casse-tête chinois. Lié entre patron et syndicat, il y a un gros problème. Bataille. Chaque temps, pour salaire minimum monter, patron a compris, syndicat a compris. Dans chimé la paix à l'unité nationale, nous avons cherché aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une rencontre générale entre syndicats et patrons. Une façon pour gagner un salaire minimum socialement acceptable, économiquement soutenable. Parce que ça, nous avons touché là, les pensées. C'est une façon pour ouvriers qui travaillent, qui vivent plus bien. Et pour patrons qui ont une entreprise, qui ont toujours un travail. Petit peuple. Ça fait pour petit crack qui est escombré dans l'usine et la factory. Pour question salaire minimum et conditions de travail. Il faut que ça finisse. Nous sommes membres. Nous sommes mon seul pays. Nous tous nous sommes haïtiens. Nous pas qu'à tout temps. Pour nous yon a battre avec l'autre sur des problèmes nous mettre tête ensemble pour nous résoudre. Nous besoin la paix dans la famille. Nous besoin la paix dans l'entreprise. Et nous besoin la paix dans tout le pays. Dans ce sens, le premier ministre nommé et le gouvernement
que vous pouvez mettre pour faire tout ça possible pour un pacte social. Les CSS fin publier les affaires à le minimum pour un pacte social entre patron, ouvrier et syndical dans le pays. Peuple haïtien, je dis à toute effort administration à faire, c'est pour nous faire projet durable pour le peuple. Pays a sauté passé, plus passé 40 années depuis pas gagné un pile gros projet et gros investissement qui fait là-dedans. Jeunesse la pas joué de travail parce que pas gagné un pile investissement de qualité qui fait. Mais qu'on est malgré un pile non nous y a un problème. Mais nous tout carrément ouais gros projet fait la caille parce que pays d'Haïti c'est pour nous toutes lire. Pendant n'a fait effort pour soulager problème urgence peuple là. Problème grand cours. Mais y a un président qui est responsable faut qu'il voyage sur l'avenir pays. L'avenir de Timoun. Faut nous pas faire erreur 40 dernières années qui sont passées. C'est dans ce sens ça. Nous avons continué à tout projet infrastructure. Nous voulons parler de gros projets. Projet barrage, irrigation, route, construction, réseau électrique et la tri. Ces projets qui permettent au pays à jouer un développement à chercher depuis 10 ans. Le pays n'a pas qu'à développer sans électricité, sans route, sans de l'eau pour mon bois, sans de l'eau pour mon rosé jardin. Des monde ben nous menti ça pays a pas capable de développer sans ça là nous prenons zone nip depuis nous sortons savo pour nous arriver juste petit trou de nip on savant n'a gardé nous les deux bords c'est plein bac noir et pourtant il plusieurs rivières passé sous plein n'a pas tombé dans la mer là on prend zone nord-nord-est. Depuis nous quitter le quartier Mouré, c'est terre cap gado à droite à gauche qui veut juste voir la main. Et pourtant, la grande rivière dit nous a passé pour le jeter dans la main tout droit. Ce n'est pas demain matin. Pour rien ou qu'à prendre l'eau, ça va vous mettre sous terre ça. Travail ça, demandez en pile sacrifice. Et c'est yo nous décider de faire là. C'est pour ça que nous avons barrage Marion commencé. C'est pour ça étude a fait sous Grande Rivière du Nord pour nous mettre de l'eau sous pleine nord-est avec pleine nord. Mais pour le fait, j'en ai dit là, c'est pendant 18 mois. Donc commencer. Il y a des projets infrastructures qui doivent aller au-delà de mandat deuxième président qui a venu après nous. Tellement dit nous, travail infrastructure, il y a de temps. Il y a de l'argent, il y a un pile de études. Pays n'a pas qu'à développer si nous ne faisons pas effort pour nous accompagner le secteur privé. Je parle de secteur privé. Quand pile monde qui toujours comprend, secteur privé, c'est peut-être deux, trois groupes grand monde qui vivent dans votre province. Ce n'est pas ça. Secteur privé, c'est tout le monde. Qui gagne en entreprise qui vivent sur 27 750 km² pays. C'est eux qui secteur privé. Je dis, nous travaillons pour que le projet ça, nous sommes parler là. Gros projet infrastructure, nous travaillons pour être capable de prendre place dans le pays qui pour permettre au secteur privé de joindre les moyens pour le travail plus bien. Dans un pays qui respecte tête. Parce que nous ne sommes pas capables de rester pour nous dire Haïti que nous revenons tout là, c'est Haïti que nous aujourd'hui. Haïti que nous revenons tout là, c'est Haïti côté nous prendre une décision ensemble pour nous dire dans 25 ans qu'a venu, mais comment nous voulons payer nous. Ces mêmes gens, un pays qui respecte tête là. Il faut qu'il y ait un système qui permette petit li faire face
forme d'accident que vous avez dans la vie. Moi, je voulais parler d'une assurance pour les petits peuples malades, pour le cas jouer un soin sans lui pas obliger de vendre des gagnants, vendre kaili, prendre un coup de poing dans mes yeux pour jouer un cop pour mener yon petit, yon papa, yon maman, yon frère, yon soeur, yon cousin, yon cousine, l'hôpital, là où il y a une grosse maladie. C'est où l'État? C'est un projet qui est important pour l'avenir du pays. Sur le dossier assurance maladie, je veux une réflexion inclusive qui gagne la donne tout secteur concerné. Nous tous, qui traquons, petit peuple a gagné les malades. Je veux gagner une solidarité qui fait à les gens qui sont malades dans le pays. Assurance, là, c'est un outil important en pile. Qui gagne la donne tout secteur concerné. Nous tous, qui traquons, petit peuple a gagné les malades. Je veux gagner une solidarité qui fait à les gens qui sont malades dans le pays. Assurance, là, c'est un outil important en pile. C'est des grosses décisions, mais c'est des décisions, c'est notre tête ensemble nous pas prendre. Parce que, on série de gros hôpitaux à construire dans le pays. On prend l'exemple l'hôpital général qui a construit tout près nous. Mais il faut commencer à réfléchir comment nous choisir aujourd'hui pour que les gens jouent soin de santé dans le pays. Mais c'est nous-mêmes ensemble qui pouvons faire. Premier ministre nommé, dans un temps qui n'est pas trop long, après au fin de gagner vote de confiance, ça veut dire ça dépend du Parlement, sous les affaires politiques générales. Maintenant, il y a un rapport sur quatre travaux qui commençaient déjà dans les affaires de réforme de l'hôpital, sur le système d'assurance maladie obligatoire pour couvrir tout le peuple. Parce que c'est important. Pour nous travailler dans ce sens avec les gens qui concernent, les gens qui sont dans le système déjà, pour nous joindre un résultat. Là, nous arrivons à faire ça. Je voulais parler de projet assurance universelle de santé. Ça va permettre de développer, de nous avoir un moyen pour nous développer l'hôpital public. Faut payer à un médecin, à un infirmier qui était la donne. Là, on fait une formée à quoi peuple là, de pas qu'à couler qui te paye. Comme tout haïtien qui remet pays et qui voulait toute petite nation arrêter soudée, yon a clot. Et comme autorité, maman loi pays a bonne responsabilité pour me veiller à bonne marche institution. C'est devoir moi pour demander nous rester calme. Kembe flambeau la paix à bien. Flambeau unité nationale là. Mettez-le pire toujours. Parce que tant ça allait révoluer. Tant moun ça dans tel parti politique, l'autre ça dans tel parti politique et nous pas capable chita ensemble. Nous pas dans temps ça encore. Temps qui arrive aujourd'hui, son temps unité nationale avec la paix, c'est des outils qui sont nécessaires en pile pour le pays à avancer tout bon vrai. Moi-même, comme président de la République, je travaille chaque jour. Chaque jour, bon Dieu, mettez pour le pays à arrêter uni, pour le drapeau la paix à monter pire. Le pays n'a pas qu'à marcher dans l'union, dans la division, dans la trahison, dans la méfiance, dans le mensonge. Le pays a bouqué. Il n'a pas qu'à marcher dans la route. Nous avons un pile d'efforts pour nous faire pour le pays qui a joué un développement nouvelé pour le petit peuple. Pour sa fête, nous avons besoin de stabilité avec la paix. C'est pour ça que nous demandons pour nous prendre chemin la paix avec l'unité et pour nous rester sur la route. C'est la route ça. Cap mène nous dans le progrès économique et social que nous rêvons.
compatriotes moi. Je dis à l'important en pile. Pour nous rester attachés à l'institution démocratique nous. Il y a une bonne réforme qui pour faire dans l'institution démocratique. Faut que peuple là ouais à clair travail institution démocratique a fait. Et on l'autre côté, toute institution nous a besoin d'appui peuple là pour qu'on fait travail constitution avec la loi pays ba yo comme mandat. Toute institution pays c'est pour nous yo. Yo tout mettre ensemble et c'est pour moun k'ap vive dans pays d'Haïti. C'est pour peuple haïtien que y a travail pour protéger nous contre zak malhonnête. Permettre nous vivre comme ça doit et protéger acquis démocratique. Moi connais en pile dans institution nous yo fait. C'est peut-être ça. Moi crois li bon pour nous tout travail et gagner un comportement responsable pour aider pays à dans effort qu'a fait pour renforcer. Moi voulais parler de toute institution que nous connaissons, parce que y a en pile. Mais c'est pour nous travailler, pour nous renforcer. Maintenant, le nouveau Premier ministre nommé, que toutes mesures qui prévoient arrêter sous train de vie de l'État, nous reprenons ni encore Premier ministre. Arrêter ça que nous te prenons dans l'année dernière, plus précisément 29 mars 2017 là, 64 articles doivent appliquer totalement dans toute institution de l'État à partir du mois octobre prochain pour permettre de nous dégager ressources pour financer le programme dans le bénéfice du peuple. L'État doit venir pigeon. Dans ce sens, la réforme de l'État doit avancer plus vite pour l'institution de l'État. Kabay service à la population. M'a demandé Premier ministre nommé pour assurer que le coordonnateur OMRH joue un moyen li besoin pour le capable de dynamiser la réforme de l'État, accompagner tout service public, appliquer mesures qui prennent pour renforcer l'institution. Le peuple a besoin d'une administration publique qui pour bali service. L'État est là pour servir le peuple. Pour finir, je demande à toute responsable institution publique pour faire toute collaboration à nouveau Premier ministre nommé si le Parlement veut ratifier. Par vote de confiance politique générale. Mais comme nous connaissons, j'aime te camper de dire dans la tribune Nations Unies dans le mois de septembre 2017. Là, la corruption est un crime contre le développement. Pour éradiquer ce mal, je pense que la corruption n'est pas un mal endémique à Haïti. Je pense que la corruption qui fait système dans le pays aujourd'hui peut être éradiqué par un comportement sain de nos fonctionnaires publics. Il ne peut pas y avoir de corrompu sans corrupteur. Et il ne peut pas y avoir de corruption sans corrompu et corrupteur. Si la corruption est un crime contre le développement, les corrompus et les corrupteurs, nous pouvons dès à présent les considérer comme des criminels. Parce que ce crime. Ce crime qui empêche à ce pays de prendre la voie du développement. Ce crime qui donne la voie à la pauvreté. Endémique, je dirais aujourd'hui que ce pays est en train de vivre, parce que 214 ans de pauvreté, c'en est assez. L'heure est venue
Nous sommes à un carrefour de l'histoire où cette génération doit dire son mot. Président de la République, chef de l'État, garant de la bonne marche des institutions, je suis prêt. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Nous invitons l'assistance à s'asseoir, s'il vous plaît. Merci encore, Président Jovenel Moïse, pour ces très beaux propos de circonstance à l'occasion de la présentation officielle du Premier ministre nommé à la Nation. Notre cérémonie du jour prend fin, mais pas sans inviter les membres du gouvernement démissionnaire à venir saluer le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse. Je vous prie de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, et de vous mettre à l'avant pour saluer donc le Président, les présidents des autres pouvoirs de notre pays. Nous parlons du Président du Sénat de la République, du Président de la Chambre des députés et bien sûr du Président du pouvoir judiciaire. Téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, nous presque arrivés dans la fin de la cérémonie de présentation officielle Premier ministre nommé à M. Jean-Henri Séan à la population haïtienne. Dans le moment où nous parlons là, c'est dans la phase de salutation que nous y est, côté ministre démissionnaire à saluer Président républicain, Son Excellence Jovenel Moïse, Président Sénat républicain, Sénateur Joseph Lambert, Premier ministre nommé à M. Jean-Henri Séan, Premier ministre sortant, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, Président Chambre députée, député Gary Baudot, et puis Président Cour Cassation, M. Jules Cantave, qui lui-même était sous panel là. Alors, pour faire un résumé, pour Silao qui fait brancher Télévision nationale d'Haïti et qui peut suivre toute retransmission ça, bien nous suivons en direct présentation officielle Premier ministre nommé à M. Jean-Henri Séan à population haïtienne. Il y a une cérémonie qui a gagné la dernière et d'abord lecture de l'arrêté président de la République. Là. Un discours qui s'en Nous invitons à présent les honorables sénateurs et députés présents à venir également saluer le président de la République ainsi que le premier ministre démissionnaire, le premier ministre nommé ainsi que les présidents des autres pouvoirs de notre pays. Justement, nous avons parlé de ça qui fait essentiel, discours président républicain, ça gagne 4 minutes. Président républicain, dans un premier temps, qui expliquait et qui ça qui était plus motivé, fait choix de mettre Jean-Henri Séan comme nouveau premier ministre pays d'Haïti, un choix lui estimé qui n'est pas facile. Et nous connaissons choix ça, lui fait après plusieurs consultations avec différents secteurs dans la vie nationale là, et après deux jours de séance de travail, deux journées de séance de travail avec le président de branche parlement et finalement décision ça a été prend. Donc le président de la République là expliqué et choix ça et motivation choix ça pour diverses raisons lui dit mettre en séance c'est un monde qui est bien de bon commerce, c'est un monde qui gagne en pile et modération, c'est un monde tout qui est bien candidat deux fois déjà à la présidence et qui a approché population en pile l'intervention et qui gagne un aspect inclusif dans démarche lio d'ailleurs slogan parti attention président république là et dans discours ça tout président république là qui cité une longue liste d'attentes li gagne par rapport à travail premier ministre nommé après gagne pour le faire d'abord et alternance politique programme social yo permettre que yo atterri dans quartier défavorisé yo
président de la République là, parle tout de train de vie de l'État. Il faut qu'il mette un peu l'accent sur des marches ça qu'il fait déjà dans l'année 2017, 29 mars 2017. Il y a un document qui est déjà devant le Parlement qui gagne la dernière 64 points. 4 là-dedans ont déjà respecté d'après le président de la République. Donc, il y a 60 autres points qui pour appliquer la décision que le président de la République a estimé nécessaire pour réduire le train de vie de l'État haïtien d'une façon pour permettre à la population haïtienne lui-même de joindre plus d'avantages dans la décision. Et nous invitons à présent les membres du corps diplomatique à nous rejoindre et à présenter leurs salutations. Le président de la République là, n'a pas fait qu'on est tout, mettait accent pile sous le climat la paix à lui connaît. Premier ministre nommé Jean-Henri Séan pral contribuer pral bay beaucoup de pouce pour établir le climat la paix, intégration jeune yotou dans le secteur affaires là. Permettre jeunes de jouer un job dans le pays, créer un programme pour les jeunes de travailler dans le pays. Donc, c'est une liste d'attente qui est assez longue. Le président de la République a touché l'autre dossier, tant que le dossier Petro-Caribéa qui fait un pile parler. Et le président de la République a estimé qu'il a doué normalement et rentrer en ligne de compte sans passe pour qui, sans aspect méchanceté. Donc, le président de la République a mis accent sur ça. Le président de la République a mis accent. Sous rentrer l'école là qui pourrait bien pour faire très prochainement dans moins espacé un mois et côté l'État haïtien il y a une disposition que déjà prend pour soulager parents qui pas gagne gros moyens. Président de la République a parlé de dispositions qu'il prend pour permettre si moun l'école nationale rejoindre un uniforme cantine scolaire à temps. Le président de la République a parlé de subventions Livio et subventions tout pour on valait 400 000 timounes et classes, la petite enfance. Le président de la République a mentionné une liste de travail, captain, premier ministre nommé, M. Jean-Henri Séan, une fois que deux branches parlementaires ont bien entendu ratifié, t'as voté en faveur, énoncé politique générale. Rappelez-vous que c'est processus qui a franchi pour permettre au pays d'Haïti de gagner officiellement un premier ministre là-dedans pour permettre tout dossier qui était en souffrance ce soir, qui était campé pour une raison ou une autre, capable de démarrer. Un premier étape franchi qui s'est choisi, M. Jean-Henri Séan, comme premier ministre. Et on l'autre étape, je dis encore, qui c'est présentation officielle, premier ministre nommé à la population haïtienne. Étape et reste étape yopral dans la constitution 87 qui peut quoi amender à. Prochaine étape là, c'est après dépôt de pièces devant tous les deux chambres pour une analyse technique. T'apral gagne une commission qui t'a dû former tout pour étudier authenticité pièce. Mais d'après la constitution amendée à, formalité ça, était dans un cadre administratif. Rete dans le cadre administratif côté et sous plan administratif, il est capable toujours, le premier ministre normalement, a toujours est capable de déposer pièce dans le secrétariat et général parlement pour appréciation qui normalement doit convaincre les parlementaires qui prennent certainement des questions. Et à chaque point fort qui gagne un énoncé de politique générale, premier ministre nommé à. Et ça, c'est pour aller un gros mot, surtout un point fort côté parlementaire pour aller gagner et choix pour voter pour ou contre énoncé politique générale là. Et la loi fait qu'on est, constitution pays a fait qu'on est au cas où et ça va t'abâcher devant parlement, processus là a recommencé à zéro. Donc, c'est diverses étapes qu'a franchi. Jean-président de la République là a été mentionné ça dans l'intervention. Le pays est arrivé dans un point. Côté, c'est urgence qui vient, je ne veux dire, urgence pour gagner un nouveau premier ministre qui peut permettre projet yo, et qui en souffrance continuer, notamment caravane changement,
pour permettre le projet Saoura poursuivre normalement et pour permettre tous des dossiers qui ont avancé déjà avec le Premier ministre sortant pour continuer. Par exemple, programme et cantine scolaire, programme restaurant communautaire, programme kit scolaire et des PEP pour tout programme ça, on est capable toujours continuer pour permettre aux populations d'aller en souffle. Télévision nationale d'Haïti, nous toujours en direct depuis Palais national. Nous suivons la cérémonie de présentation officielle Premier ministre Nouméa, notaire Jean Risséan. La population haïtienne, c'est une phase salutation que nous avons bien avant et cocktail, bien avant fin cérémonie ça. C'est différents secteurs qui étaient présents, qui étaient répondent à l'invitation dans le palais national, pour saluer Panélicio, saluer président République, là, président Sénat République, là, Premier ministre Nouméa, Premier ministre sortant, président Chambre des députés et président pour cassation. Donc tout de suite après série présentation ça, c'est pratiquement fin cérémonie ça. Et n'a pas rappelé quelques points forts dans le discours président République, là. Qui c'est, eh bien, mettez climat politique là, mettez un climat politique stable, qui c'est un gros travail, Premier ministre, nommé après quelqu'un pour le faire, dans dialoguer avec différents secteurs dans la vie nationale là. Le président de la République a mis un peu l'accent sur la stabilité politique. Nous appelons maintenant les maires présents à la cérémonie à eux aussi venir présenter leurs salutations, suivies de la Cour supérieure des comptes, de la BNC, du directeur général de la police nationale d'Haïti, du commandant en chef AI des forces armées d'Haïti, des directeurs généraux, alors invitez-vous à continuer à défiler dans la salle là pour féliciter président républicain pour choix et pour féliciter nouveau Premier ministre là, Premier ministre Nouméa. Maître Jean-Henri Séan, Jean nous capables déjà sous un document qui est bien gagné un profil qui est arrivé à convaincre différents secteurs que le président de la République là, t'es fait consultation avec eux pendant la semaine qui se passe et profil notaire Jean-Henri Séan, probablement tout est arrivé à convaincre le président de branche dans le Parlement qui eux-mêmes t'es chita avec le président de la République là sous choix ça pendant deux journées de travail. Notaire Jean-Henri Séan, fait en septembre 1956, il est marié avec Chantal Volsicéan et lycée papa, quatre et Timon, deux filles, deux garçons. C'est un professionnel et candidat à la présidence par deux reprises. Sous choix, le regroupement politique Premier Haïti, Mambio, est désigné et conseillé pour le présenter. Dans le poste ça. Et finalement, la Jean-Henri Séan a un parcours jusqu'à ce que l'idée de la BRH, de la Cour supérieure des comptes, comme nouveau Premier ministre nommé pays d'Haïti. Une étape qui peut finir, qui paraît là, et qui peut suivre Woodley. Parce que pour ces représentants du CEP, déroulé dans le Parlement haïtien au niveau de deux chambres, qui prend le gain pour
yo tande énoncé politique générale pour le ministre Nomia et prend une décision finale sur énoncé politique générale là. Maître Jean-Henri Séan a rappelé pas seulement notaire de profession, mais Maître Jean-Henri Séan fait plusieurs autres études, tant en comptabilité, en statistique, en espagnol. Il fait des études en droit dans la faculté de droit de. Les représentants du secteur religieux présents à cette cérémonie. Et notaire Jean-Henri Séan suivent en pile cours, fait plusieurs spécialisations dans le pays étranger, spécialement dans l'université pontificale de Camillas. Côté l'IPF, il y a une spécialisation dans titrement, dans documentation, dans authentification de documents. Notaire Jean-Henri Séan, en même temps, c'est enseignant, côté lui former plusieurs promotions de jeunes dans l'université Kiskeya. Il formait plusieurs promotions tout dans l'université GOC et dans l'autre école et sous place là pour permettre Jean-Henri Séan dispenser des cours à des promotions, former de jeunes promotions. Salutations yo, après poursuivre dans le palais national, côté nous depuis un bon bout de temps pour permettre ou même qui la caillou suivre sous petit écran cérémonie de présentation officielle premier ministre Nomia, notaire Jean-Henri Séan à population haïtienne. Ce secteur vaudois dans le moment n'a pas les lives. Secteur protestant, représentant l'Église catholique, dans le moment ça, cap saluer panélicio. Dans un petit temps qui n'est pas trop loin, nous allons pratiquement arriver dans la fin cérémonie ça. Jean nous capable de gagner différents secteurs dans la vie nationale, spécialement secteur qui peut participer dans la série de consultations avec le président de la République dans le moment ça qui et a salué panélicio. Nous appelons la famille du premier ministre nommé, l'épouse du premier ministre et ses enfants. Et Kounia, c'est famille, premier ministre Nomia, madame Ni, petite Li, frère, qui va présenter félicitations et vœux de bonne chance à premier ministre Nomia pour le travail difficile, Captain Ni, et pour le choix ça qui a été fait de lui. Parmi plusieurs autres profils qui répondent à critères là tout. Donc, c'est un honneur pour la famille, journée jeudi. Est-ce que proche est capable, utile et servir le pays d'Haïti dans le niveau ça? Ah.
Télévision nationale d'Haïti, nous avec vous, en direct depuis Palais National. Côté, dans un temps qui n'est pas trop loin, c'est pour la fin. Cérémonie de présentation officielle, premier ministre. Et enfin, nous appelons les amis et membres de la famille politique du premier ministre nommé. Nous demandons aux journalistes de bien vouloir laisser le passage. Merci. Nous demandons, comme cela s'est fait jusqu'à présent, aux invités de bien vouloir respecter l'ordre du premier arrivé afin que cela se poursuive toujours dans cette belle ambiance. Merci. Nous demandons aux photographes de bien vouloir laisser un espace pour que les gens qui ont fini de saluer puissent rejoindre leur place, s'il vous plaît. Processus salutation, personnalité journée, après poursuivre. Sous panel là, gagne président République là, son Excellence Jovenel Moïse, président de branche parlement, sénateur Joseph Lambert, député Gary Boudou, président Cour Cassation, maître Jules Cantave, premier ministre sortant, docteur Jacques Guy Lafontaine, et puis premier ministre nommé, notaire Jean-Henri Séan, qui c'est point focal activité journée jeudi à, puisque c'est lui-même, président République là, a présenté officiellement by Nation. C'est le moment pour inviter pour proches, pour amis, pour familles, amis politiques, pour saluer personnalité ça. Et n'a rappelé invité yo, majorité nan yo, c'est des gens pendant des jours, chaque semaine qui sont passés là, qui ont participé à rencontre avec le président de la République, c'est une consultation qui t'a fait sous choix de nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti. Pour le respect des premières règles que nous avons édictées en début de cérémonie, et ce qui nous a permis justement d'avoir une cérémonie agréable. Et pour qu'elle puisse se poursuivre dans la même ambiance, nous demandons donc à tous de rester assis, ceux qui ont déjà salué les personnalités. Et nous demandons aux journalistes aussi de nous aider à bien gérer le mouvement de manière à ce que ceux qui ont déjà salué puissent regagner leur siège. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, nous sommes toujours avec vous en direct depuis Palais National dans le cadre cérémonie de présentation officielle notaire Jean-Henri Séan comme nouveau Premier ministre
nommé pays d'Haïti. Yon étape important qui franchit choix premier ministre là, et qui pourra poursuivre au niveau de chambre dans le parlement, chambre des députés, sénat républicain. Qui pourra gagner yon même pour yon et chita sous énoncé politique générale premier ministre nommé à. Cérémonie ça a été déroulée dans un premier temps avec lecture arrêté présidentiel qui portait date 5 août 2018 là, qui nommait officiellement notaire Jean Lucéan comme premier ministre d'Haïti. Et puis il a gagné un président de la République là, où il met arrêté présidentiel ça by premier ministre nommé à, et te gagné discours officiel président république là sous source de motivation li sous choix ça, non seulement et diverses consultations yo journée de travail yo, mais tout sous source de motivation personnelle li par rapport à choix ça, et discours tout qui était centré sous attente li de travail, de défi, tout défi captain premier ministre nommé a yon fois que li ratifié par devant parlement haïtien. N'a rappelé c'est un processus qui pas ta doué prend pile temps par rapport, et nous connaît chambre députée après elle rentrer en vacances deuxième lundi mois de septembre. Je demande maintenant et au capable à tout moment convoquer à l'extraordinaire par le président de la République. Nous demandons maintenant aux représentants des partis politiques présents de venir également. Et l'intervention est claire sur urgence moment. Présentez leurs salutations. Président de la République, pas manqué, mettez accent sur divers projets qui en cours et qui ont ralenti pendant le dernier jour à cause du choix premier ministre qui peut être fait. Des projets qui pourraient reprendre rapidement, des projets qui ne peuvent pas attendre, qui pourraient reprendre rapidement dans la population haïtienne. Non? Nous sommes capables de retourner sur une série de points forts. Le président de la République là, a été mentionné comme gros défi, captain, premier ministre nommé, en cours réduction en train de vie de l'État haïtien, un document de 64 points qui est déjà devant le Parlement, côté c'est 4 seulement qui est déjà effectif, qui est appliqué, et 60 étaient toujours pour faire, pour toucher en assemblée. Il y a un gros travail, le président de la République l'a pensé, le premier ministre a gagné pour faire. Mettez harmonie tout et en différents secteurs dans la vie nationale, créer des programmes sociaux qui pour atterrir dans la population, spécialement dans la classe défavorisée. Autant de défis, capitaine. Nouveau premier ministre dans le domaine santé, dans le domaine assurance. Question plus attention qui t'a doué à accorder à mon handicap politique, tant qu'agent police nationale et médecin, tout le monde sait au président de la République a estimé qu'il t'a doué des attentions spéciales, professeur l'école. Donc c'est un pile défi, un pile travail. Captain premier ministre là, que le président de la République là estimé qu'il est à la hauteur de tâche ça, vu positionné les programmes qu'il gagne déjà en deux fois dans le moment où il est candidat pour poste président du pays d'Haïti. Ça qui était inclus déjà dans le programme. Slogan parti là, remet Haïti de toute façon, qui est centré sur tout le monde la donne, qui c'est déjà un message inclusif. Donc, autant d'aspects qui attirent le président de la République là dans le profil nouveau premier ministre qui a présenté officiellement à
population haïtienne, je n'aimerais dire 7 août 2018 là. C'est normalement et dernière phase activité journée ça pourra poursuivre côté nous en phase salutation à personnalité qui est en tête cérémonie journée côté différents secteurs d'assistance là une chance pour saluer et féliciter Président République là, son excellent Jovenel Moïse, président Sénat République là, sénateur Joseph Lambert, premier ministre Nouméa, M. Jean Risséan, premier ministre sortant, Jacques Guy Lafontaine, président Chambre députée, député Gary Baudot, le président pour cassation, M. Gilles Cantave. Qui était composé panel officiel qui était eh bien en tête de liste dans cérémonie jeudi à n'a rappelé qui c'est cérémonie de présentation officielle Et tout de suite après c'est une salutation yo, qui pas loin fini probablement après une séance de photo yo. Séance de photo yo, qui toujours fait partie nous vous remercions tous encore pour votre participation cette première partie parce qu'il y a bien une deuxième vous savez. On a une grande hospitalité chez nous en Haïti, plus particulièrement au Palais National. Donc, cette première partie de la cérémonie de présentation officielle du Premier ministre nommé touche à sa fin. Et comme d'habitude, nous allons permettre aux personnalités de faire la photo officielle de cet événement, sous les directives du chef du protocole. Voilà, téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti, j'en ai annoncé ça, c'est cérémonie officielle, présentation, Premier ministre Nouméa, qui presque arrivé dans le bout de l'île. Nous avons un moment côté photo officielle, après pour marquer moment important ça, pour marquer étape important ça qui franchit, je ne m'en dis, 7 août 2018 là. Et c'est ça tout qui pratiquement mettait fin à retransmission nous. La télévision nationale d'Haïti
Merci beaucoup, messieurs les photographes. Nous invitons donc le président avec de la République, Sabine Jean-Étienne, accompagné des personnalités suivantes, le Premier ministre, et puis le Premier ministre, le ministre démissionnaire, les présidents des autres pouvoirs de notre pays, le gouvernement, les parlementaires. Vous suivez le chef du protocole, s'il vous plaît. Donc, le gouvernement, les parlementaires, les parents,